Cyberespace. Technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0. Cyberespace sur Algérie 3. Samy, bonjour. Bonjour Hakim. Vous n'avez pas mon âge, mais j'imagine que durant vos examens de bac, vous avez utilisé aussi les annales, les bloc-notes et les cahiers. Mais il y a un outil formidable, c'est les réseaux sociaux, c'est Internet aujourd'hui. On va en parler avec vous des réseaux sociaux et des communautés algériennes qui suivent de très près les examens du baccalauréat, à commencer par des groupes de révision qui se sont constitués il y a déjà quelques semaines, pour des mois de cela, pour revoir ensemble différentes matières, exercices, autres pratiques qui visent à les tenir prêts pour le jour J. Eh bien, comme chaque année, les réseaux sociaux s'adaptent à ce rendez-vous aux examens du baccalauréat. Comme vous l'avez dit, Hakim, des groupes se sont constitués il y a quelques temps de cela déjà, dans lequel des lycéens qui s'apprêtent à passer l'examen étaient très actifs, partageant à la fois des documents, des schémas qui résument ou qui expliquent certains cours ou concepts, des astuces pour retenir plus facilement un ensemble d'informations, bien évidemment en les considérant comme un support pédagogique secondaire, en plus du savoir acquis au sein des établissements. Pratique pour beaucoup de lycéens qui ont opté pour le web afin de renforcer leurs connaissances et préparations pour le jour J, ce qui a poussé peu à peu des enseignants à s'adapter à cette vision en proposant des cours filmés, enregistrés ou diffusés en direct dans lesquels ils expliquent un tas de concepts en rapport avec les mathématiques, la physique, sous fond de tableau blanc ou fond vert avec des illustrations pour faciliter l'assimilation. C'est le même concept qui est repris au sein d'applications de plateformes numériques développées par des start-upers algériens prenant en charge différents paliers, voire se spécialisant dans la terminale, cours interactifs et leçons adaptées pour combler le maximum de lacunes, sans besoin, parfois, de présence physique. Des enseignants en ligne, formateurs ou autres, qui parfois également n'hésitent pas à mettre la casquette de l'influenceur, de créateur de contenu. Ils sont à la fois massivement critiqués en ligne, mais aussi défendus par leurs élèves qui attestent qu'ils ont beaucoup appris en suivant leur contenu. Un contenu qui traite également du stress des examens d'anciens bacheliers donne alors quelques conseils pratiques pour éviter toute mésaventure, qu'une révision optimale équivaut à une préparation optimale, qu'il s'agit là finalement d'un examen comme d'un autre. Des appels également à la retenue par rapport à la triche lors des examens, des vidéos de courte durée sont alors partagées qui citent les lois et conséquences de tentatives de triche quel que soit le moyen employé, des conséquences lourdes qui peuvent grandement entraver le parcours académique souhaité. Les enseignants des profs de maths et de physique qui sont stars sur Internet, hein, on n'aurait pas cru il y a quelques années. Ça va, allô, comme quoi. Voilà, c'est formidable. Il faut saisir les opportunités. Merci, Samy. À demain.